C'est délicat. Très délicat. Et donc, il faut trouver un moyen terme entre le gouvernement et l'Africa Foot. Je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Je pense, de mon point de vue, que la plus haute instance de notre pays a donné la direction à suivre. Et je crois savoir que on évolue vers ce modus vivendi là. On tient compte aussi des préoccupations, des desiderata, des ambitions de la FECA Foot, mais des instructions avaient été données que le gouvernement prenne les choses en main, et le gouvernement aussi estime qu'il doit prendre les choses en main, parce que en dernier ressort, qui répond du sort du sport d'une manière générale, et du football en particulier, c'est le gouvernement qui en répond. Et c'est pour ça qu'il faut consentir qu'il y ait quand même un certain droit de regard du gouvernement dans ce qui se passe à l'Africa Foot. Mais en même temps, il faut également consentir que l'Africa Foot ait son mot à dire. Vous savez, c'est ça. De mon point de vue, il faut essayer d'équilibrer ces choses-là. Voilà, René Emmanuel Sadi n'est pas en marge de cette actualité-là. Il suit de près l'actualité.